Alors, on a ouvert le 6 mars 2019. Il a voulu faire un concept un petit peu comme sur les autoroutes, mais c'est familial. Donc, il y a la partie hôtel où il y avait la chambre, les douches routiers et la partie restaurant, bar. Les routiers aiment bien ce côté un peu pas trop familial comme dans les routiers traditionnels. Ce côté un petit peu, des fois, un petit peu relevé, ils aiment bien. Déjeuner, ils ont à disposition une machine à café dehors. Après les douches, on a éventuellement, j'ai pas mis sur Truckfly la machine à laver le sèche-linge. C'est vraiment pour ceux qui restent le week-end, elle n'est pas à leur disposition. Nous, c'est dans notre établissement. Ils peuvent manger toute la journée. Ils viennent, ils ont une assiette anglaise, parce qu'il y a toujours des choses même chaudes qu'on peut faire réchauffer au micro-ondes, les sandwichs, la partie boutique. Vous avez vu tout ce qui peut correspondre pour décoration de leur camion, le dépannage, tout ce qui sent bon. Des produits d'hygiène aussi, on a essayé de faire un petit peu de gel douche, dentifrice, toujours du dépannage aussi pour que ça leur apporte un confort. Hein. Et puis des gâteaux, des petits chocolats. Par un routier, donc l'affréteur de TML, le frère du patron, un soir il vient, il dit ça faisait 3-4 jours qu'on était ouvert et il nous a parlé de l'application, on l'a mis tout de suite. En fait, on s'est mis dessus et c'est parti comme ça. C'est une fierté, on est content, et puis le patron est encore plus content parce que c'est son labeur aussi à lui, lui qui a mis de l'argent dans l'établissement, qui a fait ça, c'est un challenge, surtout à 58 ans quand il y a fait. Voilà, pour lui, c'est un challenge, et puis il est content, quoi. Puis moi aussi, parce que je réponds aux messages, moi je suis, voilà, je suis. Quand un routier est content, je suis contente aussi. Hein. Un routier qui est arrivé un jour avec une serviette autour du ventre, parce que la douche durait que 7 minutes et qu'il n'y avait pas fait attention.